coordination des départs a eu lieu déjà. Nous, on est arrivé à 2h30 du matin pour coordonner les départs, préparer donc le bon fonctionnement des départs. Les premiers ont eu lieu un petit peu avant 5h du matin, donc 4h30, 4h40. Donc les motos sont parties, à peu près 99 motos. Et ont suivi les voitures, camions, SSV, à peu près une centaine aussi. Voilà. Au total, un peu plus de 200 véhicules qui ont participé à ce rallye du Maroc. Là, voilà, la prochaine étape, ce sera donc Tantane. Tous les concurrents se retrouveront au niveau des bivouacs, donc à Tantane. Et ils se reposeront bien sûr, ils prépareront donc l'étape suivante, c'est-à-dire à l'Aïoun. J'ai la grande fierté de participer à ce rallye qui est parmi les grands rallyes mondiaux. Donc c'est la dernière manche du championnat du monde, donc où tous les champions viennent se disputer pour le titre. Donc c'est le rallye qui est juste avant le Dakar, donc voilà, c'est à peu près le même niveau du Dakar et on a la chance qu'il se déroule chez nous au Maroc. C'est ma première participation dans cette région et ma quatrième participation sur le rallye. Voilà, donc alors hier on a fait le prologue. Donc c'était quelques kilomètres pour avoir le classement de départ de ce matin. C'était très bien passé. Donc voilà, on a fait le circuit avec un timing correct. Voilà. Donc et là c'est la première étape qui va être longue d'ici Tantane, Inch'Allah. Je connais pas le terrain, donc ça va être une nouveauté pour moi cette région. Voilà. L'organisation se passe toujours comme ça. C'est les motos en premier. Donc la première moto, elle est partie à 4h40 quand même, parce qu'il y a beaucoup de motos. Et après, ce sont les voitures IFIA qui partent derrière. Après IFIA, donc hier, ils ont mis les camions avant nous. Donc je ne vous dis pas le terrain, comment on l'a trouvé après le passage des camions. C'est nous qui souffrons le plus sur ce rallye, je vous assure. Parce que même aujourd'hui, si on passe les dunes et les camions avant nous, nous, derrière les camions, on va trouver tout défoncé. On trouve beaucoup de difficultés par rapport aux gens qui partent le matin. On a deux critères qui sont durs pour nous. C'est le passage des camions et deuxième point, c'est le soleil qui tape et l'arrivée tard, toujours au bivouac, parce qu'on part, comme vous voyez, les derniers.